Les 1000 meilleures ventes de la semaine. Pop, pop, pop 1000. Pop, plus 1000. Égal, pop, 1000. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle édition du Pop 1000. Et on retrouve tout de suite en plateau Patrick Desvauges. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, mais jusqu'à 1000, puisque c'est le Pop 1000, c'est le classement des 1000 meilleures ventes de singles chaque semaine. Alors, la mélancolie. Ah, parlons-en de la mélancolie. La mélancolie, c'est un sentiment qui vous cueille le matin, qui ne vous lâche pas, tant que la rosée sur les feuilles du matin ne sait pas. Voilà, en tout cas, l'invité du jour, il a son duck de mélancolie, star d'un jour, star du jour. L'homme du jour, eh bien, c'est un homme en colère. Un homme qui a décidé de mettre ses tripes sur la table, un homme qui n'a pas peur, un homme qui se bouge, un homme lancé à 80 à l'heure sur les rails de la vie. Il est chanteur, c'est un héros, il est poète, mais à 16 heures, on l'applaudit. C'est Caldero. Caldero, Caldé, tu permets que je t'appelle Caldé? Ouais, enfin moi c'est plutôt Caldero. Je vais t'appeler Caldé. T'es 927e du Pop 1000 cette semaine. Quel effet ça fait? C'est kiff. Grave, kiff. Ouais, c'est kiff. Kiff style. Ouais. C'est Pop 1000. Ouais. On regarde ton clip, c'est l'adolescence. L'adolescence de Caldero. Ok. L'adolescence, c'est une première cigarette. L'adolescence, une lotion non comédogène. L'adolescence, c'est une douche tous les 15 jours, une éjaculation précoce quand on voudrait que ça dure toujours. L'adolescence, c'est des millions de SMS. L'adolescence, des sites de charme sur internet. L'adolescence, une première cuite seule dans la rue, les parents au commissariat pour une première garde à vue. Toi le teenager qui rêve d'être un être majeur. Non, n'aie pas peur. L'adolescence, c'est pirater des MP3. L'adolescence, c'est mieux quand on n'a pas le droit. L'adolescence, sécher les cours en abondance. C'est une fausse signature sur ton carnet de correspondance. L'adolescence, des heures entières devant la glace. L'adolescence, une mèche qui n'est pas à sa place. L'adolescence, c'est traiter ses parents de cons, monter s'enfermer dans sa chambre et puis se dire qu'on a raison. Puis un jour tu grandis, toi-même ton lit, tu te brosses tous les jours les dents, et puis un jour tu mûris, tu deviens indépendant, tu veux réussir ta vie, tu voudrais avoir un enfant. Waouh, c'est du lourd. Ce morceau sur l'adolescence qu'on vient de voir de toi, Caldero, ouais. Ça me donne envie de te poser une question là-dessus. Ouais. Comment c'était ton adolescence? Ça a été un peu difficile? T'as subi peut-être toi-même des... Je sais pas, t'as été molesté? T'as subi des sévices? Ouais, enfin, c'est-à-dire j'ai subi des sévices... Des sévices militaires. Ouais, non, je déconne, en fait, non. J'ai surtout subi... Il y avait les clopes, les capotes anglaises. Bon, j'avais aussi l'acné, les boutons. J'avais aussi des ch'tards, quoi, tu vois, tout plein de trucs. Pustules. Ouais. Une adolescence qu'on imagine comme ça, boursouflée par le pu. Alors, tant d'émotions dans tes chansons, ça ouais. peut arriver que ça te fasse calder comme ça jusqu'à, je sais pas, bah, vomir peut-être? Ah ouais, grave. En fait, je vais te dire, le
truc, c'est que ça me fait gerber, quoi. Le monde, je le trouve hyper gerbant. Alors, cette gerbe que j'ai du monde, en fait, je la transforme en gerbe de fleurs, quoi. C'est ça, mes chansons, en fait. C'est un cadeau. On va gerber. On va gerber de bonheur ensemble aujourd'hui avec toi, Caldé. Okay. Je te propose de regarder, c'est ici que ça se passe, un premier point classement. Okay. On y va. Ouh, 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 850 places dans la vue en une semaine pour les minimales. Même quand on est en Kevlar, ça doit piquer un peu. Addition, soustraction, division, multiplication, nation. On est des machines à pile alcaline. On est des machines à pile alcaline. La légende dit que c'est sur ce clip que MC Amadeus et Jenna Canel se sont rencontrés. Ils partagent bien plus que la 808e place. He's got what you need. Michael Out is rich. Le beau crooner de Pennsylvanie fait une entrée remarquée à la place 666. Yeah. And sensitivity. Crème de jour, crème de nuit, c'est bon pour la bourge de Neuilly. Manquerait plus que je mette du vernis. Elle est Mimi, elle a les cheveux gras, 504e du classement. Pas mal la petite cracrase. Je vais pas me refaire, excusez-moi. Non, je suis plutôt le genre à péter dans la soie. Je suis cracra, je suis cracra, je suis cracra de haut en bas. Je suis pas du genre à pomponner. Et c'est à prendre ou à laisser, ouais. Je suis cracra, et il faut me prendre comme ça. Je suis cracra, c'est comme ça. Émotion, émotion par les oreilles. Dans ce titre qu'on vient d'écouter, dans ce point classement, on vient d'entendre un morceau de cracrase, 11 disques vendus cette semaine. Wow. Puisqu'on parle de cracrase, qu'est-ce que ça te fait, toi, Caldé, de savoir qu'aujourd'hui, il y a peut-être des fans qui dorment devant chez toi, en espérant peut-être croiser ton regard, ou je ne sais pas, peut-être espérer récupérer dans tes poubelles, peut-être un vieux morceau de, je sais pas, Sopalin. Ou... Tous ces gens, en fait, c'est de l'amour, quoi, tu vois, c'est un espèce de trop plein d'amour. Alors, il y a des femmes qui savent que ce que je kiffe avant tout chez les femmes, c'est les menstruations. C'est pas top secret de le dire. Ben, en fait, elles me laissent parfois les culottes usagées. C'est top chelou. Ouais, enfin, c'est une espèce de. C'est un truc assez fondateur, en fait. Ça m'aide à écrire, quoi, pour mon art, c'est super. Tu parlais d'amour, c'est. J'imagine, amour perdu. Ouais, perdu de vue. Vu j'ai là. Tangente médiane. Médiatrice. Calculatrice. Ok, man, ça roule. Je te propose de regarder tout de suite un petit reportage sur les CD-ROM. Ça t'a choqué, toi, tout le discours qu'on a entendu cet été sur le, voilà, les bohémiens les... Ouais, putain, ça m'a mortifié, quoi. En fait, au départ, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qui arrive à ces pauvres gens, quoi. Mmh. Et après, je me suis dit, bon, bah voilà, je vais faire une chanson, parce que c'est ce que je sais faire, tu vois. Je me suis mis devant ma feuille, j'ai pris ma guitare, j'ai écrit des notes sur des partoches. Tu as bien fait, tu as bien fait de ne pas la faire. Je te propose tout de suite de regarder ce petit reportage sur les CD-ROM. Regardons-le. Okay, okay. Oh, je fais jamais interview, mais c'est parce que c'est vous, parce que j'adore de porter du pop mille, des chansons stupides, là. Là, venez à la maison, parce qu'on est en train de tourner un nouveau clip. Après, peut-être t'es bouffé que viens. Hey. Si tu me rends ton cul, tu auras ma biette. Hey, si tu me rends ton cul, tu auras ma biette. Toute la famille, Eric, Nicolas et tout le monde là. Ma biette. C'est important, c'est une vibraguette pour dire que vous êtes présenté hommage. Si tu trappes mes bouges, laisse te chapeau. Hey, si tu trappes mes bouges, laisse te chapeau. On compose chansons pour faire plaisir au village. Puis après, on peut avoir femme dans le lit, parfois plusieurs. Hey, si tu me rends ton cul, tu auras ma biette. Biette. On vient de voir donc un instant les CD-ROM. Caldé, je voulais te dire, quand on a annoncé ta venue dans le Pop 1000, on a reçu des milliers de lettres de fans
qui font ton plébiscite. Qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'il y a des milliers de fans qui ont écrit pour parler de toi ? Mais déjà, ça m'étonne pas trop. Et en même temps, c'est toujours hyper touchant, quoi. Espèce de trop-plein, de sollicitude, d'amour, les gens qui te disent, espèce de crash. Je déconne, on n'a reçu aucune lettre, en fait. C'est une blague que je te faisais. Tu aimes jouer ? J'aime bien les dames. Les échecs ? Ouais, échecs, échecs et maths, les jeux, quoi. Jeux de nains ? Ouais, jeux de vilains. Alors, c'est pas des jeux de vilains, tu vois, c'est un vrai ou faux. C'est le vrai ou faux. Il faut moins d'une journée au Rossignol pour construire son nid douillet. Alors, vrai ou faux ? Je dirais que c'est vrai. C'est faux ! Une journée, enfin, t'es ma boule ou quoi ? Tout de suite, le deuxième podcast. Bon redressement pour le beat de Christopher Glam. Il durcit le ton et claque la 369e place. Hervé, il se traîne avec peine et il a vraiment la haine d'avoir perdu 214 places. J'aurais dû être backstage avec les stars, manger des petits fours dans mon plus beau costard. Dans l'ordre alphabétique, j'arrive un peu trop tard. Après le M, il y a le N, comme c'est bizarre. Je veux ma lettre en lettres d'or, gravée à l'Olympia. Comme toi, être invité d'honneur de tous les taratata. Tu dis M, mais moi j'ai la haine. J'ai la haine, je veux monter sur scène. J'ai la haine, faire des clips à la chaîne. J'ai la haine, et jouer au Zénith de Rennes. J'ai la haine, j'ai la haine. Les cages ont le mon cul, elles aiment plutôt qu'on les bouscule. Ah bon? Qu'on mordille leurs tétons, et parfois même qu'on les engueule. Papa, je crois vraiment que tu pars en cojonesse. Dans la famille de la Plata, on est mariachi de père en fils. Don Francisco et son padre entrent avec style dans la fienda du Pop Mill. Aïe! Un père et son fils, ça n'est jamais toujours d'accord. Quand l'un a raison, l'autre n'a pas forcément tort. Mais à la fin, on se rejoint parfois quand même. On s'aime pour toujours, car le même sang coule dans nos veines. Vagina est 69e, une position qui lui va à merveille. Son triangle d'or scintille dans la galaxie du Pop 1000. Je me retiens dans la jungle amazonienne, un peu de Cuba. Captive prisonnière, j'aime ce parfum de guerre qui plane sur moi, sur moi. J'ai remis mon triangle d'or, je le cache et je te le montre. J'ai remis mon triangle d'or, tu le vois, tu le vois pas, tu le vois, tu le vois pas, non. J'ai remis mon triangle d'or, je le cache et je te le montre. J'ai remis mon triangle d'or, tu le vois, tu le vois pas, tu le vois, tu le vois, non. On vient regarder un instant le point de classement. Comment tu te situes ? Comment tu as l'impression de te situer, musicalement parlant, dans la scène musicale actuelle ? C'est plutôt funk, plutôt slap, plutôt punk, plutôt creek, voilà. Plutôt poum, plutôt suite. T'es un ouf, toi. Tu veux essayer que je donne une espèce de description, là, comme ça, de ma musique ? Ok, bon, bah, alors voilà, je vais te dire, c'est quoi ? C'est une sorte de fist sonore, comme une espèce de sodomie olfactive, quoi. Imagine, par exemple, là, le monde, il est truffé de cérumen. Bah, moi, je suis une sorte de coton-tige, quoi, avec mon son, ma guitare. Voilà, quoi, je réponds ce truc-là, voilà. Je nettoie. Alors, tout ceci ne donne pas très envie, hein, je te souhaite bonne app, et je t'invite à te faire de bonnes grosses tartines de cérumen, hein, gros goulu. Tandis que nous, on va regarder tout de suite le numéro 1 du Pop 1000. Tu la connais, c'est Jenna.
Jenna. C'est Jenna Canel, bien sûr. La numéro 1 du Pop 1000. On la regarde tout de suite. Jenna Canel, Foster maintenant. Toutes les filles de Bandol sont là, ouais. Toutes les filles de La Ciotat sont là, ouais. Toutes les filles de Cassis sont là, ouais. Et toutes les filles de Samari sont là aussi, oh ouais. Fais-moi un check check si tu veux me check check. Si tu veux mes fesses, traite-moi comme une princesse, mec. Fais-moi un check check si tu veux me check check. Si tu veux mes fesses, traite-moi comme une princesse, mec. Les losers, les crevards, les galériens, y'en a marre. Ceux qui t'en prennent 15 euros, gère, j'te les rends plus tard. Les kebabs, les nuggets, c'est bon, j'ai eu ma dose, mais un dîner aux chandelles, ah là c'est grandiose. Mon mec plus ultra, je le veux en costard. Il fait pas 50-50 sur l'addition du samedi soir. Il m'emmène faire du shopping. Il me dit c'est nos limites, il régale même les copines. Fais-moi un check check si tu veux me check check. Si tu veux mes fesses, traite-moi comme une princesse. Fais-moi un check check si tu veux me check check. Si tu veux mes fesses, traite-moi comme une princesse, mec. Moi je suis une bomba, bimbo, glamour, sexy. Je veux du fric, du flouze, de la money money. Je veux que tu pèses avec ton pèse, que tu m'autotunes avec ta thune. Que tu sois classe, bien en place, que tu craches tout ton cash. On dit que le temps c'est de l'argent. Oui mais le mien est compté, alors il faut payer comptant. On dit que l'amour n'a pas de prix. Mais je suis quand même plus amoureuse avec ta carte de crédit. Fais-moi un check check si tu veux me check check. Si tu veux mes fesses, traite-moi comme une princesse, mec. Fais-moi un check check si tu veux me check check. Si tu veux mes fesses, traite-moi comme une princesse, mec. Être ensemble tous les deux, ça nous suffit pour être heureux. On n'a besoin de rien quand on est amoureux. Mais non, les copines, je déconne. Fais-moi un check check si tu veux me check check. Si tu veux mes fesses, traite-moi comme une princesse, mec. Fais-moi un check check si tu veux me check check. Si tu veux mes fesses, traite-moi comme une princesse, mec. Tu me check, je te check par la Barbie check. Le premier qui paiera, ça va être sa fête. Les meufs veulent du bling bling, le gros lot, le bingo. Des vacances à Punta Cana, un pied à terre à Monaco. T'as un mec à sec, qui roule en mobilette. Qui paie même pas sa bouteille quand il arrive en discothèque. Ils veulent un cador, un mentor, un mec qui fait du hors-bord. Pour toi Jenna, j'ouvre mon cœur et mon coffre fort. Fais-moi un check, check, si tu veux me check. Ouais le fric c'est chic. Ouais fais-moi un check à l'ordre emblématique. Ouais Jenna Canel. Merci Amadeus, c'est ça qui est bon. On vient donc de regarder le dernier clip de Jenna Canel, tourné intégralement à Miami, c'est la number one. Qu'est-ce que ça te ferait, toi, un jour, de dire que tu pourrais peut-être être un jour comme ça, number one du Pop 1000? Ouais, enfin, en même temps, je fais pas ce métier pour ça, quoi. Je recherche pas la fame. À tout prix, moi, ce que je cherche surtout, c'est plaire à mon public, c'est être en phase avec moi-même, à me liquéfier quand je dois me liquéfier, à me densifier quand je dois me densifier. En même temps, je me sens assez bien dans ma peau, quoi. Ça devient n'importe quoi. En tout cas, tu connais la coutume au Pop 1000, c'est à chaque fois que les artistes viennent nous jouer un morceau. Ah ouais, et le ouais, morceau ouais, que tu vas nous jouer s'appelle « J'ai plus peur ». Alors dis-nous tout, t'as vraiment plus peur? Ouais, enfin, il y a des trucs encore dont j'ai peur, je sais pas, les trains fantômes, les épouvantails, voilà quoi, ça me fait peur. Ouais. Les zombies? Ouais, les vampires quoi. Tout... Pitbull, ouais. Bulle de savon, voilà, t'es le bienvenu, tu reviens quand tu veux au Pop 1000, ready to go. Ouais. C'est Caldero. Il nous avait promis sa chanson, n'est-ce pas que tu l'avais promis? Oui, j'avais promis, il l'avait promis, c'est Caca, c'est Caldé, c'est Caldero. Le cafard, c'est être triste, mais c'est aussi un horrible cancrelat. Le scorpion est un signe astrologique, mais c'est aussi un insecte maléfique. Je n'ai plus peur, ni de la fange, ni de la merde. Je n'ai plus peur même du malheur. Je n'ai plus peur. Toutes ces horribles bébêtes ne me feront plus jamais peur. Ne me feront plus jamais peur. Ça a suinté,
Ça a suinté d'émotion, ça a suinté de transpiration. Je ne m'approche pas trop d'ailleurs. C'est un vrai plaisir de t'avoir, Caldero, aujourd'hui. Tu n'as plus peur, nous non plus. Quand même un petit peu quand même en te regardant. En tout cas, c'était plaisir. Plaisir de vous retrouver également la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous hebdomadaire et musical. Car le Pop 1000, c'est chaque semaine. D'ici là, je vous le rappelle, évidemment, soyez persil, soyez courgette, soyez subtil, soyez Pop 1000.